Alors, bienvenue dans notre église Saint-Pierre-Aulien. Merci. Eh bien, attendez, je vais vous faire visiter. Voilà. Alors, c'est des anciens lustres, en effet. Cette église est d'abord dédiée à Saint-Pierre-Aulien, dont j'ai décliné, n'est-ce pas ? Et c'est de Saint-Pierre. Le deuxième patron de cette église, c'est Saint-Villefranc. C'était en fait le fils d'un officier du roi Dagobert. Alors, vous voyez, donc il a d'abord fait des études à la cour, mais en fait, ce n'était pas ce qui l'intéressait. C'était un homme très simple et il a préféré devenir d'abord clerc. Il a été même évêque de Sens. Il est devenu moine ensuite. Alors, pourquoi est-il devenu saint ? C'est qu'il est allé prêcher aux Pays-Bas pour évangéliser. Il a fait des miracles. Et voilà pourquoi cette église est dédiée également à Saint-Villefranc. Parce qu'on dit qu'il a même évangélisé Ville-Maréchal. Mais bon, ça... J'en ai pas sûr. Mais bon, en tout cas, il a eu une influence ici. Si vous voulez, bien, je vais vous montrer donc, l'ancienne partie de cette église, donc, qui date... du XIe siècle, ces quatre piliers, regardez bien, vous allez être surprise de choses Oui, ils n'ont pas l'air sympas. Non, vous avez dit ces visages-là. Ils feraient presque peur. Ça ne vous inspire pas confiance, hein ? Non. Alors ici, c'est quatre, vous voyez, il y a quatre têtes, quatre grimaçantes, un peu bizarres, qui représentent en fait quatre des sept péchés capitaux. La colère, ça serait bien celui-là. Celui-là, parce que l'autre, lui, il tire la langue, là. Oui, c'est peut-être la gourmandise ou l'envie. Maintenant que je vous ai montré la partie la plus ancienne, je vais vous montrer une œuvre la plus moderne. Tournez-vous. Il est magnifique, ce vitrail. Ah, il est tout récent, il date de 2003. Ah, en effet. C'est un verrier de la région qui l'a réalisé. Alors, regardez bien. Qu'est-ce que vous voyez ? Il y a le serpent, déjà. Il y a le serpent. Ouais. Le loup. Il y aura un léopard. Avec l'agneau. Voilà, donc c'est le symbole de la lumière. Encore une fois, l'artiste donne un message par ce vitrail. Ce vitrail. Thank you.